Dans le transport aérien moderne, la proximité du sol n'est théoriquement plus un vrai danger. Que ce soit en vol, au décollage ou à l'atterrissage, les avions sont parfaitement équipés pour permettre aux pilotes de s'approcher des reliefs tout en évitant de les percuter. Donc on a créé une sorte de radar qui va émettre un signal en permanence devant soi, qui va permettre de mesurer la distance à un obstacle. Donc si le signal que j'ai envoyé revient avec un certain temps, ça veut dire que j'ai quelque chose devant moi. Dans l'air, il n'y a aucune raison que ce signal il revienne parce que je n'ai pas d'obstacle. Donc en permanence, je vais pouvoir mesurer si j'ai un obstacle matériel devant mon aéronef. L'instrument autrefois était juste un instrument curatif, c'est-à-dire qu'au dernier moment, il disait « attention, il faut faire immédiatement une manœuvre d'évitement sinon vous allez percuter le sol ». Et donc il n'y avait que quelques secondes pour réagir. À l'époque, la présence du sol était détectée, mais le pilote n'avait aucune indication sur le relief qui l'entourait. Un élément pourtant indispensable, notamment en cas de mauvaise visibilité. La génération suivante, elle va utiliser les bases de données de terrain. C'est-à-dire, elle va dire à l'avion, en ce moment, vous êtes à une altitude au-dessus du terrain qui va bien, mais en face, il y a une montagne. Et donc, si vous ne faites pas quelque chose, dans 2 minutes, on va taper dans la montagne. Terrain, pull up. C'est la naissance du système d'alerte de proximité du sol, le GPWS dans le jargon des pilotes. C'est une sorte de radar qui va radariser le sol et qui va regarder un petit peu devant nous quelle est l'altitude des montagnes par exemple qu'on va rencontrer et qui va nous mettre des alarmes. Terrain, ahead. Et si on a une alarme, attention, proximité avec le sol, soit on est en train d'atterrir et c'est normal et on le sait et on voit la piste donc il n'y a pas de problème. Soit on a l'impression d'être en plein vol, puis en fait on n'a pas de visibilité, puis on a cette alarme qui se déclenche, et là ça veut dire qu'il fallait plein gaz et on se remet en montée. La généralisation de ce dispositif a considérablement amélioré la sécurité aérienne, en réduisant le risque de collision avec le relief.